Hey yo tout le monde, c'est Tiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Civilization 5 dans lequel nous jouons Venise. Alors on a notre marchand illustre qui est arrivé à Zurich, qui devrait nous fournir un petit peu si je ne me trompe pas. De charbon, oui, enfin du charbon. Ah, je n'y croyais plus. Alors ça mettrait 7 tours à faire l'usine, l'aviation on l'a dans 4 tours, on va l'acheter. Et ouais, on va acheter des usines, on va acheter des usines. Ça va faire du bien. Hop là. Et une dernière. Amigos. Ah. Enfin, enfin, ça fait plaisir. Alors oui, on était allié avec, avec les Japonais et on s'entendait bien avec l'Angleterre. Je peux toujours pas faire de route vers le Japon, c'est dommage. Et on avait dénoncé pas mal de monde, et en fait on avait plus que comme allié, il me semble. Ah, on avait l'Inde aussi. J'avais oublié ça. Je les avais totalement oubliés. Parce qu'ils se sont fait dénoncer par quelqu'un que j'ai dénoncé. Quelque chose comme ça, je sais plus exactement. Non, tu m'as dénoncé, pourquoi je te ferais du commerce? Et surtout du commerce, alors que j'en suis perdant, enfin je suis perdant clairement. Je lui donne beaucoup plus que ce que je reçois, pas ouf. L'Éthiopie et l'Inde sont amis, oh, ça recommence, bon, ça c'est pas grave. Oui. Ingénierie par les cultures. Non, culture générée par les castels, ouais, mais ça m'intéresse pas. Et les Moai, non plus, je ne l'ai pas. Attends, quoi. Babylone a pris une ville. Agrandie, mais. Oh, mais il se fait bouffer! Ouais, je l'ai pas vu, mais il s'est fait bouffer, le pauvre. Bon. Il va être temps d'aller aider un peu Gandhi là. Pourquoi j'ai une galéa ici? Ok, ouais. Bon. On va aller lui en frégate. Le cap. Prends. Ça. Le cap prend rien parce que c'est bugué. Toi, Milan, tu vas prendre ça. Toi, tu vas. Hop. Améliorer caravelle et machine à vapeur. Oula, caravelle et machine à vapeur. On va emmener nos flottes à Vancouver. Une partie de nos flottes à Vancouver, je sais que j'en ai. Ils sont toujours en exploration. Explorer. C'est pas ça que je veux faire. Ok, toi tu vas venir ici. Toi, tu vas mettre en état d'alerte. Ça n'a pas marché la première fois, si je crois. Alors, et on va passer en autocratie. Pourquoi? C'est ça. Politique de la canonnière. Les états seront plus faciles à venir de notre camp. C'est tout. Je sais pas choisir. Autocratie, oui. Donc on va adopter les doctrines. Ça c'est bien. Tout ce qui est coup en or. Et... force d'élite en vrai. Unité blessée, plus 25 dégâts. Ok. Ouvrier, navire, marchand, bateau, atelier. Ah oui, c'est vrai. J'avais zappé. Ok, après j'ai que des mitrailleuses en garnison. Parfait. On a bientôt les avions. L'aviation.
Ah, Nanda Nobunaga a fait la paix avec Gandhi, tiens, bah il serait temps. Allez, moi je vais aller l'aider un peu Gandhi, hein. Je vais essayer de libérer ces villes. C'est dommage qu'ils s'entendent pas. En vrai, ce serait pas mal s'ils pouvaient s'entendre. Hop, on améliore. On a un cuirassé à vapeur. Là, ça déconne à zéro. Faire un petit. Non, ça sert à rien. J'aurai Prora à faire dans 2 tours. Toi, je t'ai bien aidé. Ah, Babylone. Est-ce que je peux les dénoncer là? Minam Teresh. Abarja. Je peux pas. Je vais rapatrier mes troupes. Et je vais aller voir ce qui se passe par là. Et là, on n'est pas loin en vrai. Hein. Quoique si, on est vraiment loin. Et là, pareil. D'aller ici. Là, je vais garder 2 frégates au cas où, près de mes villes. Ah bah oui, moi aussi je suis d'accord avec moi. ça c'est... Prochain congrès, il est sur... L'embargo, ouais. Embargo de... Je sais plus sur qui. Chine et Celtes, ouais. On va le faire sur la Chine. Parce qu'ils sont, ils sont bien avancés. Et j'ai pas envie qu'ils s'avancent trop technologiquement. J'aimerais bien garder un petit peu d'avance. Encore une frégate ici, moi, qui fait rien. Ça me sert pas à grand chose celle-là en soi. Je vais l'emmener à... Je vais l'emmener là. Au niveau de Vancouver. J'ai toujours pas la portée, hein. D'accord, ouais. Et Mbanza Congo, non, il me faut la réfrigération. Ouais. Oui, maintenant que j'y pense. Autant prendre lui aussi. Hop, 8 tours. Ça va, 8 tours, c'est raisonnable. Au vu de la taille de la map. Ça me va. On a quoi? Une caravelle, ouais. Il passe par où lui? Il va monter comme ça après? Wittenberg. Les pauvres. Ok, lui ça aménage le charbon. Ça m'en fera encore plus. Là j'en ai plus que 2. J'en aurai 3 en plus. C'est tout? Hein, ah oui, mais j'ai pris pour le cacao. J'avais oublié. Et on a l'aviation. L'aéronautique n'a été ni une industrie ni une science. Ce fut un miracle. La seule chose dont nous devons avoir peur est la peur elle-même. Et on rentre dans l'ère moderne. Félicitations à nous. Alors, nécessite l'idéologie. Oui, en plus de procurer 2 unités de bonheur supplémentaires, la station balnéaire Prora octroie également. Une unité de bonheur supplémentaire, toutes les 2 doctrines adoptées ainsi qu'une doctrine sociale gratuite. C'est pas mal. Ah, attends, j'ai pas vu la suite, j'ai pas vu la toute fin. Notre construit, oui.
Allez, choisir une techno. Électronique, je crois. Pour les cuirassés, ouais, ça va être important. Ensuite, je partirai sur combustion pour les destroyers. On a un nouvel espion, on va l'emmener à Vancouver. Parfait tout ça. Parfait, parfait. Comment que ça se passe ici? Faudrait quand même lui libérer ses villes. Ah merde, il lui a foutu le feu. Ah le salaud. Au moins nous on est satisfait, on a pas mal de tourisme. Et les Celtes qu'on a pas mal aussi, hein. Ça c'est. Ça peut être embêtant. Grandir, grandir, voilà. Aider la Mbanza Congo, des fusilleurs, tiens. Je sais pas où est-ce que ça arrivait. Là-bas. Ouais, fusilleurs ici. Les fusilleurs, je préfère les mettre. Mince, c'est où? J'ai perdu le. Ici. 9 tours? C'est tout? Oh bah c'est parfait, c'est... Ouais, c'est court. Accumuler déjà assez de doctrine, c'est parfait. Entretien, plus d'or. J'hésite entre les deux. Les unités ne coûtent pas si cher que ça. Côté de ressources stratégiques, produits plus 100%, nourriture plus 5, science plus 5. C'est pas des masses, science plus 5 en vrai. On va prendre le pognon. Hop, choc, ouais, parfait. Il est bientôt arrivé. Ah, ça y est. Bah quoi? Ah, il y a quelqu'un sur ma case, c'est ça? C'est la case que... J'ai cliqué un truc comme ça. Non, même pas. Bon, c'est pas grave. Oh la vache, ils se font attaquer. Il va vraiment falloir libérer hein, toutes ces villes qui se sont fait prendre. Va d'ailleurs me falloir des... Oh, ça va vite. Hein. 3 tours, il prend la ville. C'est cata. Lui, il a plus de problème. Là, depuis que je l'ai aidé, ça va mieux. Ouais, je vais envoyer mes flottes. Hein. Je vais envoyer ma flotte là-bas. Il n'a que des villes côtières ou... Comment ça se passe? Oui, il y avait cette ville-là, mais elle n'est pas côtière. Enfin, elle n'existe plus. Et sinon, ce sont que des villes côtières. Bon, on va y aller. On va y aller. On va y aller. On va y aller. On va se mettre ici. Dans tous les cas, j'ai pas le passage ici. C'est dommage. Ah, c'est fou quoi, il se serait mis là, genre il y a du cervidé, tu me diras. Ouais. Ouais, juste ici. Ça aurait été tellement mieux. Quoi qu'il avait sa capitale. Ah oh, ouais, j'avoue, c'est pas. Ouais, j'avoue, ça peut être un peu compliqué pour lui. Ouais. Là on a ce qu'il faut, Zurich devrait pas trop avoir de problème. Yes. Ah. Aujourd'hui, comment ça va?
ça part en dénonciation, hein, direct. Chingachgook saisit la main que, dans l'excès de son émotion, Œil de Faucon lui avait tendue au-dessus de la terre fraîchement remuée. Et ces deux fiers et intrépides chasseurs inclinèrent en même temps la tête sur la tombe, tandis que de grosses larmes s'échappant de leurs yeux arrosaient la terre où reposaient les restes d'Uncas. C'est beau. Il est pas très loin, mais ça va. J'ai le libre passage chez eux. Chez eux. Pas chez eux, ouais. C'est direct, hein. Pas fait exprès, mais je suis remonté. Qu'est-ce que... Ah oui, ok. Ah, il a réussi à pas perdre sa ville. C'est un miracle. Ils ont plus rien pour prendre. Peut-être ils ont des unités à distance, mais ils ont plus d'unités corps à corps. Bien joué. Ah la vache, il y en a un juste ici. Là, il faut que je m'en débarrasse. Ouais, j'ai bien vu un... J'ai pas... Attends, j'ai douché ou... Ah non, c'est juste qu'on ne voit pas du tout dans cet endroit. Je vais acheter une unité corps à corps, j'ai pas le choix. Putain, j'ai des dégâts. Ouais, fais ta vie. Bam, bam. Voilà. On va se débarrasser du campement avant que ça fasse apparaître des pirates. De toute façon, j'ai de l'or pour, c'est pas un problème. J'ai deux unités qui sont en chemin. Ah ouais, c'est un corsaire en plus, donc ça prend le bateau. Enfin, t'as des probabilités de prendre le bateau. 33, un truc comme ça, je sais plus, 33%. Ok, Japon. Le Japon se refait petit à petit. Petit à petit, hein, je dis bien, attention, faut pas déconner. Mais son richesse a commencé. Donc, il y a un autre campement barbare. Ça m'intéresse pas. C'est pas chez moi. Hop. Ah, ça y est, il est arrivé. Ici c'est bon. Comment ça se fait? Ah, ça devait être un bateau qui restait de la ville mongole. Ça débat. Ok, ils ont fondé une deuxième ville. Pas ouf, hein. Ah, le cuivre, ouais, à la rigueur. Ah, j'ai hâte. Ouais, je vais venir là et je vais me préparer sur... Préparer à prendre Marie et Chuchan. Hop, moi je retourne là-bas. Prochain tour, ça devrait être bon. Oui, toi. C'est où? Je suis perdu, c'est pas grave. Tu vas venir là, combien? 6 tours? Ça va, c'est raisonnable. Ah ouais, faut que je fasse le tour. Terrible.
Hop, toi, tu peux attendre. Missionnaire qui se balade. Ok. Bientôt le congrès mondial. Boadicea entre dans l'ère industrielle. Ah ouais, t'as un peu de retard, mon ami. Hein. Je dis ça, je dis rien. Mais... Si, je le dis quand même, totalement, en fait. Hop, nommons les délégués. Embargo. Ah, plus. Ouais, c'est délégué. Voilà. On a pris le campement. Je vais le renvoyer au cas où à Venise. Si normalement, ça devrait être bon. Ah, bureau de douane, plus 5 d'or. Plus 10 de science. Ça me produisait que 8, l'académie. Tout début, c'est ça qui est... Non, tu ne m'intéresses pas. Je vais aller venger Gandhi, c'est le seul truc qui m'intéresse. Ça va, t'inquiète. Je vais te donner un coup de main parce que bon, t'as l'air d'avoir du mal quoi. Oui, d'accord, la Mongolie, tu t'es allié avec le pays le plus faible du monde, ok. Ah non, pas le plus... Enfin... Non, pas le plus faible, parce que du coup, c'est le Japon. Quoique... Ah, ils sont... Ils sont pas loin, l'un et l'autre. Hein. Donc le Japon, malgré mon aide, il a du mal, hein, technologiquement. Non. Oui. 13, non. Comment ça, l'Angleterre, non? Bah tiens, hé. Je t'en foutrais, moi. Alors, j'aimerais bien... Ah zut, y a pas encore... La... Comment ça s'appelle? Doctrine mondiale. Ah, c'est dommage. Vas-y, on fait un petit embargo, on va faire un deuxième embargo sur... Sur Babylone? Parfait. Je les avais oubliés, eux. Ah oui, il y a un missionnaire, ok. Ils ont toujours pas perdu la ville, on sait pas trop comment, mais c'est pas grave. Ça y est, Venise a pris l'entièreté de l'île. Ah non, il a pas pris la montagne. Tu me diras, je comprends. Ça rapporte rien, ça rapporte même pas... Enfin, c'est dommage, la montagne ça pourrait rapporter quelque chose, en vrai, je sais pas, du tourisme. Station balnéaire, enfin du ski, je sais pas, des trucs comme ça. Ok, m'en fous. Ouais, je m'en fous aussi. Même dans un Congo, ça, je m'en fiche. De toute façon, ce sera bientôt plus un problème. Ok, parfait. Bah, lui, il arrive. Ouais, j'ai des bateaux qui arrivent, j'ai un peu tout qui arrive d'un coup. Je vais avoir quoi?
Avoir 4 frégates et un cuirassé à vapeur, ça devrait suffire pour faire tomber cette ville-là. Et cette ville-là, je pense que deux. Les deux seront pas trop compliqués à faire tomber. Espero que este trato reciba su bendición. Ah. Mais dis donc, c'est que ça a le sens de l'humour en Espagne. C'est une nouvelle ville, ça? Une ville fantoche. Ah mais non, mais attends, mais... C'est une ville indienne, ça aussi. Oh, sérieux. C'est l'Angleterre, ça, en plus. Bah. Je te le dis, c'est bizarre, ça. Allez. Alors, on a de nouveaux bateaux qui arrivent. Ils sont bientôt là, voilà. Là, on a les fusilleurs. Beaucoup plus fort que les arquebusiers classiques. Japon protège Bratislava. Déjà protège-toi toi-même. Ce sera déjà pas mal. Ok, on rattrape un peu notre retard sur l'alphabétisation. L'électricité, on a encore un tour et on pourra faire des centrales hydroélectriques. Oui, ça je sais. Un commissariat. Ravel aluminium. Et les bourses. Oh, les bourses, les gars, ça va mettre bien ça. D'ailleurs, je vais l'acheter direct à Venise, hein. Je vais pas chercher à comprendre. Ça va apporter plus 33, c'est ça? 25, 25% d'or? Un peu de science, marchand. De l'or brut. Tout ce qu'il faut. Aluminium, aluminium, Est-ce aluminium. un fait? Ou ai-je rêvé que par le biais de l'électricité, le monde matériel est devenu un gigantesque nerf, vibrant sur des milliers de kilomètres à une vitesse à couper le souffle. Hop là, eh ben non, parce qu'en fait l'électricité c'est très lent. Ouais, fun fact. Et c'est vrai en plus, hein. L'électricité c'est ultra lent. Je sais plus combien. J'ai pas de chiffre en tête, mais. Hop, ça va être changé. Ça va être changé. Et ça, bah ça va se faire. Oui, je voulais acheter, ça me revient. Ah, je suis pas en bord de rivière, c'est dommage. Voilà, si tu me dis que je suis en bord de rivière, ça me rend de... Hop, hop, hop. Alors, on va tout acheter ici. Alors qu'on y est. Voilà, un peu d'or. Voyons voir, bonjour, 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 bonjour à vous. D'une case là la ville et la garde et dans deux tours on va pouvoir commencer ah, cette unité là elle sera forte aussi il hein. Y a des trirèmes quoi s'il te plaît fais-en quelque chose de tes trirèmes oui, tu reprends les perles. Je pense que t'en as clairement besoin. Ah bon? Oh des trébuchés! Oh c'est mignon! Dis donc. Oh bon, c'est autre chose que des cailloux au bout d'un moment quand même. Hein. Dire, ça va, c'est pas mal les cailloux, mais faut balancer de gros cailloux. Plus armés. Oh, je suis troisième et eux ils sont devant. Ça c'est pas mal. La vache, deux fois plus. Propre. Voici deux de mes alliés. Et voici mon troisième allié. Ah, c'est pas facile tous les jours. En effet. J'ai pas la portée là, je crois. Ouais, je vais pas avoir la portée. Vu que j'ai pas la portée, je vais reculer un peu au cas où. Et là, ça va bien se passer. Tour prochain, les gars. On va s'y mettre. On va se mettre au travail.
commencer les choses sérieuses parce que. Les Shoshones ont dénoncé l'Angleterre, les Shoshones ont dénoncé le Japon, les Shoshones ont dénoncé, ok. Ah non, ils m'ont pas dénoncé, tiens, c'est marrant ça. 3750! 3750 de fois! Iu. Ah ouais. Ah, c'est beaucoup là, non? La lime est plus beaucoup. La Venta en faillite. Oh, c'est ballot ça. Bah si, mais attends, c'est dire qu'ils vont avoir besoin de mon or. Oui, mais non. On va en garder un peu au cas où. On a toutes nos troupes qui sont là-bas. Ça va être compliqué. Ah, un marchand illustre. Ah, un campement barbare. Bon, le marchand, tu es où? Tu es à Byblos. Bah, le marchand de Byblos, tu vas aller à Panama. Hein. Fourrure? Non, j'ai déjà des fourrures. Tu vas aller à Cahokia. Ou alors tu vas aller. Non, tu vas aller à Hormuz, il y a du coton, j'ai oublié. Hop là. Hop, on t'en arrive au parfait. Et. Bonjour monsieur, tout a bien dénoncé. Comment allez-vous, Samarcande? Je m'en fiche. Voilà, je pense que tu l'auras mérité, que tu comprendras pourquoi tu. Pourquoi je ne suis pas content actuellement? Fait moins de dégâts que ce que je pensais par contre. Ouais. Hop, je vais me mettre là. Et tiens, vous savez quoi? Hop là. Oh non. 200! Oh. Ah, pardon, excusez-moi, j'ai crié, mais. Mais c'est quoi ce délire? Quoi? Bon bah tiens. Ah ouais, quand même, 200. Je vais avoir une frégate qui va prendre cher. Je sais pas laquelle, celle-là ou celle-là. Je pense pas que ce soit mon cuirasse à vapeur. Alors moi, ça m'arrangerait s'il tape mon cuirasse à vapeur. Mais je ne pense pas. Bien que. S'il était intelligent, il aurait fait. Oh, ça m'arrange de fou! Oh, c'est génial! Parfait. L'unité a été repérée sur. Ah là là! Sur notre territoire? La Venta? Mais ils sont où la Venta? Ils sont même pas dans le coin, ils sont je sais même pas où. Mais pourquoi ils ont un navire ici? D'accord. Ouais. Oula, attends. La paix. La paix, ouais, forcément. Bon. Tac, 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 et tac. On va libérer, je sais pas si je peux. Je peux
pas libéré, dommage. Bon, ça me fera, ça me fait un pied à terre au coin. Ma frégate elle est dans le mouise. J'ai un habitant, wouhou! Allez, c'est là-dessus qu'on va terminer l'épisode pour aujourd'hui, j'espère qu'il vous aura plu. Voilà, on commence à remettre un peu Babylone à sa place. Je pense qu'il l'a mérité. Vu ce qu'il a fait à l'Inde. Il a bouffé pas mal de villes. Il... ouais, oui, tu m'étonnes. Il lui a... bien tapé sur une ville aussi. 26... 21, ça devrait passer. Voilà, on va le remettre en constitution ici, on va inverser les places, voilà, il n'y a pas trop de choses. On va... Je sais pas si je vais vraiment lui reprendre une ville, par exemple Marie ou pas. Ça va dépendre de comment ça se goupille. Ouais, je vous parle pour l'épisode prochain. Mais le mieux... Le mieux, je pense, ce serait qu'il me les donne. Ça, je passerai peut-être pour quelqu'un de moins belliqueux. Il m'a pillé, il m'a pillé. Allez, sur ce, on se retrouve très bientôt pour le prochain épisode. Merci d'avoir suivi cet Etiob. Oula.